Allô, bon matin! On est rendu jeudi le 13 décembre. Puis c'est l'anniversaire de mariage à ma soeur Marie et Richard. Fait qu'on a une pensée pour elle parce que tu sais, Richard est décédé cet été. Ça va être leur premier soir, sa première anniversaire sans Richard. Mais là, mon chum a laissé la tête faite. Puis là, je vais la pogner chez elle. Puis on va aller voir mes parents. Mon chum, il va aller travailler pour les tristes encore au garage. À mes beaux-parents, puis moi, ma soeur, on va rester chez mes parents pendant ce temps-là, puis j'ai bien hâte. Mais quand ça a super bien été à matin, il fait pas chaud dehors, là, c'est vraiment froid. Fait que là, ben, on part tout à 9h, fait que faut se presser. Je suis pressée. Je veux dire, parce que 8h15, Katia n'est pas habillée. Moi, je suis pas habillée, je suis pas rangée. Fait que faut que je m'active. Et là, c'est ça, le matin, j'ai magasiné sur Rittman. Il y avait des bons rabais, fait que j'ai magasiné en ligne là-dessus. Fait que, c'est ça, j'ai perdu du temps là-dessus. Fait que je vous parle, bonne journée, bye! Tiens, c'est ma petite Katou au matin! Fais-tu des coucous? Katou! Ouais! Attends, pas tomber, là! Hi. Ouais! Cette fille! Je suis prête, j'ai tellement hâte d'y aller, là. Fait que Katou vient de partir, puis c'est ça, je me gelais là, puis j'étais vraiment bien dedans. Puis, c'est ça. J'ai mis ça pour les pantalons noirs que j'ai acheté à San Francisco. Ok, on se revoit. À tout à l'heure. Salut. Puis on est revenu à temps pour le cas, si j'avais peur de pas être à l'heure le lendemain. Puis c'était full fun. Ah, ça c'était un concours. Faut gagner un concours. C'est la clé qu'on est 200$ pour aller le déposer. On y allait maintenant. Puis, c'est ça, ça. Voyons l'éclairage. Attendez, on va s'ajuster. C'est ça, ça a été vraiment une belle journée. Sauf que mon chum, on s'est pas vu beaucoup parce que, comme je vous dis, lui, il m'a laissé chez mes parents. Puis lui, il est allé aider ses parents. Fait que, c'est qu'on s'est pas vu beaucoup, mais moi, j'ai vu mes parents, ma soeur. C'était vraiment ça. Je lui ai tout de même fait décoration à ma mère. Il y avait vraiment des belles décorations. J'étais contente de les avoir vues. Ma soeur Marie aussi. Je pensais les refilmer quand j'arrêterais. Mais finalement, j'ai pas le temps d'arrêter. J'avais peur d'être être en retard pour venir. Puis regardez. Regardez ce que ma soeur m'a acheté. On est ici, c'est beau. Je suis tellement contente. Elle dit qu'elle est pas qu'elle est d'ailleurs. C'est beau, hein? Que je pensais pas avoir un cadeau. Fait que j'ai eu ça. Puis, c'est ça. Cette fois, on est allé dîner aussi au métro. Puis là, avant d'aller au métro, à Black Lake, on est allé. Ben, parce que mon métro à Black Lake, il y a comme un centre d'achat, mais dans le centre du centre d'achat, il y a. L'épicerie dans l'épicerie métro est comme dans le centre d'achat. Dans le centre d'achat, il y a un restaurant dans le mail. Comme bref. Qu'on a dîné là, j'ai mangé une poutine. Puis j'ai trouvé des cadeaux propres. Je suis contente. Regardez, ben, je vais vous montrer. Regarde. C'est beau la petite lanterne. C'est beau, hein? Je sais pas encore à qui je vais le donner, hein, parce que j'ai beaucoup. J'en ai beaucoup à faire. Si je commence à l'en faire, là, j'en ai beaucoup. Il y a une catine de 4 qui s'occupe bien dans la classe. Lucas, il y a son prof. Il y a la madame pour le midi. Fait que, regarde ce que j'ai trouvé ici. Le bonhomme. Là, c'est beau. C'est beau, hein? J'étais contente d'avoir trouvé mes idées. Puis ça, je sais pas si vous rappelez. Ça, l'autre fois aussi, Katia, elle avait pogné ça, puis elle jouait full avec. Puis là, j'arrive au Jean Coutu, puis il est en spécial. Il est en spécial à 26$. Fait que je l'ai amené. J'ai dit, au plus, ça serait son cadeau de fête. Ou bien, si ça, elle veut finalement y donner. Je l'ai amené à 26$, ça, parce qu'il valait 36$ normalement. C'est beau, hein? C'était comme. Puis ensuite, j'ai trouvé cette petite décoration-là, mais dans le sapin. Son mari, ma soeur et toi, ça l'a acheté. Regarde, ça allait. Regarde. Mais là, c'est beau. Ça, c'est à 2,79. C'est beau, hein? Là, je suis bien contente de mes achats. Faites une belle journée.
Fait que c'est ça, donc ça a été vraiment une belle journée. J'étais contente d'aller chez mes parents, de voir leur décoration, puis voir ma soeur Maryse. C'était vraiment le fun. Sauf que c'était ça comme mon chum, on s'est presque pas vu finalement. Moi, je pensais que ça allait être avec mon chum, tout ça, puis aller au set la couille, mais ça, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'était vraiment le fun quand même. Puis parce qu'elle a pu terminer de l'électricité au garage à son père, à ses parents, et que les autres aussi étaient contents. Fait que tout le monde était content finalement. Fait que là, on est revenu juste à temps pour Lucas. Je pense qu'on est venu 5 minutes avec Lucas arrive. Là, il va se faire écouter la télé. Puis, Katia arrive. Et après ça, ben, il faudrait qu'on fasse souper les bébés, qu'on fasse les leçons à Lucas, aller lire ses télés. Puis ensuite, je vais aller au Carrefour pour le Père Noël à Katia. Ça, j'ai hâte aussi. Ah, puis maman, elle a tout nettoyé ma chaîne. J'étais contente. Ah, ma chaîne a brillé comme neuf. Que j'étais contente. Elle avait le produit, puis elle m'a nettoyé. J'étais vraiment contente. Fait que c'est ça. Fait que je vais au courant ça finalement. J'ai pas filmé. Pourquoi t'as tout fait? Parce que. Tu sais, en vrai, je pourrais aller se filmer quand j'étais avec d'autres gens que mes enfants, dans le fond. Sinon, je vais filmer parce qu'il y a plein de monde. Puis c'est pas grave, tout le monde parle. Mais si je suis seule avec d'autres, on dirait que je suis moins à l'aise de commencer à filmer. Je sais pas comment expliquer ça. Fait que c'est comme moins d'adonnés que je filme à tout faire. Mais en tout cas, je vous raconterai. Je vous raconte un gros ma journée pareil. Puis je suis bien contente. Fait que je vous parle. Bye bye. Bon, ok, là, on s'en va voir le Père Noël. Mika s'habille. Qu'elle s'est déjà rentrée dans l'auto. Oh, shit. On s'en va le Père Noël au Carrefour à peu près 6h moins quart. Bon, papa, il pèse le crieur, il trouve ça long. Hein? Papa, il pèse le crieur, il trouve ça long, là. On ira le Père Noël, Katia. Hein? Oui. On ira le Père Noël? Ah! Hey! Yeah, t'es sûre d'aller voir le Père Noël? Ok, mais je vais la faire marcher. Mais t'as lu. Oh! Tu sais que la grande question, je vais garder sur ta liste de cadeaux, là, pour pas rien oublier. Tu as les cheveux tout longs. Non, donne-y, Lulu, c'est correct. Eh bien, je sais qu'on peut démontrer la plein. Je sais que tu m'entends très bien. N'oublie pas mon verre de lait, les bons discours au bloc que tu savais. Dans 11 d'autres. Ouais, je vais mettre les pains dedans. Attends. Mais là, je pensais t'amener le panier. T'inquiète. Ça ne presse pas, attends qu'on sorte ça. Mais quand t'avais des belles mitaines de Noël, ça voudrait les ressortir. Je vais les sortir à soir. Tu les mettre demain. Demain, je vais la mettre puis je vais ouvrir mes petites de Marion. Fait que là, t'as acheté ça avec la surprise à l'argent avec maman. Demande-moi, maman, regarde-moi. Il me reste une pièce, puis ça a l'air. Ah ben, regarde-moi encore. Pièce. Regarde-moi. Maman, ça coûtait. Moi, j'ai fait 5 plantes, puis ça coûtait 4 pièces, maman, petite de Marion. Fait que Lucas, montre que t'as acheté ça avec l'argent avec maman. Oui, puis je vais voir le même petit que Marion. Ouais. C'est drôle. J'ai fait plus de filles, mais c'est pas grave. Hein, maman. 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 J'ai pris le père. Merci. Il me reste une pièce parce que. Maman, j'ai le tuto, Maman. Lucas, fais pas ça. Oh my god! Salut! C'est ça, on est allé, comme vous avez vu, on est allé voir ta mère avec Cathy. Puis, ça a été le fun. On avait nous aidé pour amener Cathy au Père Noël, après ça, pour la ramener dans sa poussière. Et on a pris des photos. Alors, c'était vraiment le fun, j'étais contente. Puis, il y a une madame qui faisait des dépistations dans son année avant le Père Noël. Puis là, elle s'est formée dans le mail, là, dans le fond. Puis là, elle s'est formée de Cato. Elle disait, qu'est-ce qu'elle a? Puis elle m'a mis les yeux pleins d'eau. Elle disait, ça me fait la peine. Elle disait, on se plaint. Elle disait, on se plaint d'un petit mal de tête. Puis là, tu regardes pour sortir de ta fille. Puis que, elle dit, dans le fond, elle dit, on n'a pas raison de se plaindre. Puis elle pleurait. Je disais, elle ne fait pas pleurer. Je disais, tu ne sens pas. Je disais, elle se rend pas compte qu'elle est différente. Puis elle est heureuse au bout. Puis, fait que. Mais elle était fine, la madame, elle s'est formée. Elle posait plein de questions. Moi, j'aime ça quand le monde, ils ont de la peine puis s'informent. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de répondre aux questions. Fait que ça, on est revenu ici. Là, madame Lucas s'est mis en pyjama. J'ai fait son sirop. Puis là, Nick, elle va s'occuper de lui. Là, en haut, il a conté une histoire. Même temps, lui, ça fait deux jours qu'elle mène pas ses livres d'histoire à lire. Elle mène pas de livres à l'école. D'habitude, il faut qu'elle lise au moins deux par soir. Fait que là, je trouve ça plate. Parce qu'il oublie.
Puis, j'ai pas fait ces leçons non plus à soir. Fait que cette semaine, j'ai fait ces leçons juste un soir cette semaine. Quand ces vacances approchent, parce que dans ma semaine, c'est... on trouve plus le temps ou plus la motivation, je sais pas. Puis, là, ça m'est arrivé. C'est drôle, mon fils couchait, puis d'un coup, on entend cogner. Là, je dis, ah, t'as entendu cogner? Il dit, non. Je dis, là, ma semaine, j'ai entendu, là, il va voir, puis il voyait ça, puis il essaie de rentrer. Fait que là, ça, puis ça, il descendait à soir. Parce qu'elle m'a fait voir qu'elle venait revenir à soir. Mais c'était à soir, c'était tard. Fait que moi, j'avais comme oublié ça, là. Fait que là, ça avait déjà chez nous. Fait que j'entends pas avec Nick. Puis Nick, qu'est-ce qu'on va passer avec nous demain? Fait que je sais pas quand ils vont se faire installer, là. Fait que c'est ça. Puis demain, moi, je ne travaille pas, c'est encore en congé. On va aller chercher lui pour dîner. Puis ça fallait voir là. Demain, j'ai pas le choix, faut que j'aille chercher mes médicaments. Puis, je vais aller racheter quelques détails pour les bas, encore, ben, surtout pour Pam. Puis, c'est ça. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée. Ils sont encore ta journée demain. Puis, Pam, ben, tu sais, je la sens moins stressée parce qu'elle a plus de cours comme telle à l'école. On passe juste des tours et des examens. Elle peut aller se présenter à des cours. Fait que, c'est ça, je la sens moins stressée. Fait que, moi, ça sent très bien. D'accord, on va faire ça. On va se retourner à la bourse au aussi demain. Ok. C'est ça. Donc, il va voir à peu près une minute. On va se coucher. Quand on se revoit demain pour une belle journée. Sinon, regardez. Bon, là, je vous aime pas. Bye!